C'est une belle soirée, d'abord parce qu'on a fait, on a retrouvé notre public. Alors même si ce n'est pas tout le public, mais je crois qu'il y avait 12 000 ou un peu plus. Et on était, voilà, et on les a bien entendus et vraiment c'était très bon moment de les retrouver, vraiment. Enfin, moi ça m'a beaucoup plu, et le groupe aussi. Et puis après on a fait un bon match, un bon dernier match de prépa. Alors voilà, il faut en être satisfait, il faut encore aller corriger des petites choses, mais on a plutôt bien maîtrisé ce match. Marqué 4 jolis buts, en tout cas certains qui étaient très jolis. Et je trouve qu'on a aussi plutôt bien défendu. Notre première ligne a été agressive. Et puis derrière, on a continuellement pardon, mis sous pression l'adversaire. On leur a laissé peu de temps. Donc beaucoup de choses intéressantes. Évidemment qu'on ne peut pas être prêt au bout d'une semaine ou 10 jours ou 15 jours de préparation. Et on le savait, on fait une préparation pour monter en puissance. Et on monte en puissance. Et je trouve qu'on a évidemment un peu d'avance parce qu'il y a des principes de jeu qui sont assez établis depuis un moment et un groupe qui n'a pas trop bougé et je suis resté avec un effectif solide et qui connaît bien comment on fonctionne et comment on travaille. Mais voilà, je vais être prêt non seulement pour la semaine prochaine mais pour les 38 journées. Mais je sens qu'on monte en puissance et à chaque match ça se voit. À un moment, la prépa, c'est bien la prépa, les matchs de préparation, les matchs amicaux, c'est bien, mais bon, tous compétiteurs, ce qui compte, c'est la vraie compète. Là, ce qui était bien, c'est de jouer à Bollard pour notre stade avec notre public, retrouver notre public. Voilà, je disais, on commence un peu la compète aujourd'hui, quoi, c'était ça un peu l'esprit. Je trouve que pour une pré-compète, c'était plutôt bien.